gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Chantons avec vie, avec gaieté, avec énergie, cette énergie que notre Dieu nous a accordée. Que l'assurance, je suis sauvé. Que la bonté, ciel m'a donné. Né de l'esprit, baptisé de feu. De donner sa vie en rançon pour moi, pour vous, pour l'humanité, en compensation à ce que nous devons payer pour nos péchés. Il a donné cette instruction. Nous devons baptiser, nous devons nous baptiser pour signer un contrat de sagesse, d'humilité, d'identification à ce Sauveur. Et pour passer à une autre phase de ce matin, nous allons avoir une cérémonie baptismale et c'est le pasteur Lukenson qui va procéder à cette cérémonie. Et déjà, nous vous souhaitons d'ores et déjà bonne participation, bonne adoration, bonne fête de gloire à notre Dieu. Avec nous, c'est le pasteur Lukenson qui va procéder à une cérémonie de baptême. L'assistance peut déplacer ou suivre le quoi. Vous allez pouvoir regarder cette cérémonie.
Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un plaisir. Eh bien, c'est un événement merveilleux. Et je dis, hein, baptême, ça c'est un baptême David Livingstone. Sous mon histoire, ça. C'est à la bouche, un peu. Et. Ouais, comme à la mine facile. Ok. Est-ce que vous croyez Jésus-Christ, c'est petit pour Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que vous croyez que lui mourir et lui ressusciter, c'est pour le pardonner et pour avoir la vie éternelle? Oui, je le crois. Est-ce que vous croyez que la retourner vient chercher ou tout? Oui, moi, je crois. Est-ce que vous demandez le pardon pour péché ou? Oui, pasteur. Est-ce que vous croyez que le pardonner ou? Certainement. Eh bien, c'est sous confession foi où l'a baptisé où? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, Dieu! Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous ressentez? En étant témoin de tel événement, moi-même, pas rien qui plus ému moins que ça. Parce que moi, je crois que c'est l'ultime volonté ça que m'ont demandé pour nous exécuter comme petit lit. Et il dit c'est le premier pas que nous accomplir lorsque nous avons besoin d'une disciple Jésus-Christ. Est-ce que vous avez besoin d'une disciple Jésus-Christ vous-même? Mais le premier pas qu'on vient pour accomplir dans la vie ou là, si vous pouvez. Et vous êtes ça qu'il a, si vous regardez l'exemple, c'est un seul monde qui plonge là-dedans. Ça t'a dit que l'eau ça t'a capable de plonger en centaine. Jean révélation, bon Dieu, bah, il là. Mais ça me croit surtout, c'est un David Livingstone. C'est-à-dire que l'influence parle pour amener centaines au nom de Jésus. Et ce sera pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous donner d'être témoin de tel événement que toi, tu peux faire. Merci pour cette grâce et cette faveur. Et ma prière aujourd'hui, que ce soit un acte d'évangélisation. Et que des cœurs soient touchés, que des âmes puissent venir à la repentance, et surtout que des cœurs te glorifient aujourd'hui pour planifier cette conquête que notre pays doit faire au nom de Jésus pour nous redonner espoir. Et c'est la seule raison de notre rencontre aujourd'hui pour bénir ton nom. Et que cette journée soit pour nous une journée de gloire et d'allégresse parce que Jésus, Saint-Esprit, Dieu le Père, eh bien, on est ensemble aujourd'hui. Dieu est là. Et parce que Dieu est là, les faiblesses sont transformées en puissance. Nous bénissons ton nom ce matin. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Merci, ami. Merci. Alléluia. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons adorer Dieu. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alléluia. Ta sainteté.
Je vais couvrir de tout ma santé. Je dépose ma vie à tes pieds.
Encore une fois, vous pouvez dire ça avec moi. C'est la raison pour laquelle je veux qu'il soit meilleur. C'est la raison pour laquelle je dis. Majesté, tu m'as trouvé.
transformer en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Vous pouvez dire ça avec moi. Par ton amour, je suis transformé. Yes. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis racheté. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. Je ne sais pas. En présence de ta majesté. 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 Par ton amour, je suis. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Yes. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Dans la méthode d'assemblée à Captisa. Par ton amour, je suis transformé. Excuse-moi. En présence de ta majesté. Flottir dans l'autre dimension. Ça veut dire paix. Parole, ça veut dire paix. Depuis le présent seul, le transformé. Maladie par l'été. Encore une fois, par ton amour. Seulement présent, c'est besoin là, oui. Les guérisons faites. Matichon par l'été. Peut-être donc, il faut qu'artiste en la vie, par ton amour. Et je vous dis, faites comme ça. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. 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 Dieu. Merci à Pasteur David. C'est Pasteur David. Merci au Capable Chita. Et ma m'invite à ouvrir le tout de suite avec moi. Dans Psaume 127. Rapidement, si vous avez des ouvrez avec nous. Dans le Psaume 127, nous allons apprendre l'autre éducation ensemble. Désormais, nous allons ouvrir le Bible dans Psaume 127. Est-ce que vous là? Est-ce que le Bible là? Hein? Ah.
avant que je me dise que je suis content. Somme 127, est-ce que vous êtes là? Je vais pour vous, mais je voulais que vous fassiez l'exercice là avec moi. Vous ouvrez sur téléphone, n'importe où, mais nous lisons la parole de Dieu. Parce que nous allons prier, mais nous allons prier Bible en main. Ok? Nous allons prier Bible en main. Voilà, Somme 127, est-ce que vous êtes là? Si vous là, lire avec moi. Nous appelons seulement premier verset. Oula. On nous dit ensemble, on lit ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Qui ça me veut dire par là? Pas de rien qui n'est pas fondé sous bon Dieu va subsister. Et tout ça qui est fondé sur bon Dieu, parole bon Dieu dit, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la combattre. Est-ce que vous comprenez ça, mon Dieu? Eh bien, nous allons prier qu'on est avec moi. Nous allons dire, bon Dieu, tout ça qui n'est pas fondé sur lui, que vous tombez. Nous prions pour que faille de communion, service ça, c'est sous bon Dieu que le fondé. Comme si cœur nous, c'est la seule raison qui fait nous là, c'est parce que nous aimons bon Dieu. Avant l'autre raison. Et si c'est ça, nous voulons dire que nous avons une place là. On nous prie ensemble. Ça m'a dit au moment de bon Dieu. Dis bon Dieu, rock solide là, c'est sous l'île nous camper, Konya. C'est ça nous déclarer et nous bénir pour ça. Priez avec moi. Seigneur bon Dieu, nous bénissons au matin. Parce que c'est vous seul qui bon Dieu. Nous ne pas taper l'autre bon Dieu. Parce que c'est vous bon Dieu, pas de rien. Qui n'est pas fondé sur bois solide là, qui est capable de subsister. Et parce que c'est sous Jésus nous fondé, nous connaissons que pour nous bien camper. La parole où dit, on a bâti ça. Pas aucun enfer qui est capable de camper en face. Là. Au nom de Jésus, nous déclarer que fondation, le foyer de communion, comme service chrétien, pour faire nous étudier la Bible. Pour faire nous apprendre pour nous prier sous base parole, bon Dieu. Pour faire nous apprendre à communier ensemble. Pour faire nous vivre la grâce. Les fonder sur Jésus, le roc solide. Nous bénissons pour ça. Et c'est Christ toute assistance ça, je dis, le roc solide. Prière, mon papa. C'est pour que nous unis dans la prière, ça. Parce qu'on dit dans la parole. Sinon, deux, nous trois, nous demandons des bagailles. Ouais. Baille-nous. Et c'est pour ça que nous prions. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Nous sommes tous ça, c'est l'autre éducation. Vous pouvez lire avec moi? Non, un roi. Nous allons lire côté que Salomon t'est doué en charge d'une responsabilité. Que moi, quoi que. L'idée quoi que. Franchement, responsabilité, ça c'est responsabilité, bon Dieu, lié seul. Et parce que c'est responsabilité, lié, bon Dieu, lié seulement, il n'y a pas personne qui va prendre en place, bon Dieu. Pour prendre responsabilité comme ça, il faut que c'est bon Dieu qui œuvre à travers vous. Et mais c'est pour ça que, regardez bien, un roi chapitre 3, regardez-le avec moi rapidement. À partir du verset 5 là. Qu'est-ce que sa parole pour Dieu dit? L'Éternel apparut, pour me dire avec moi, en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, quoi? Demande ce que tu veux, je te donne. Quoi? Demande ce que tu veux, et je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. M'attendez-nous. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à ta place, à la place de David, mon père. Et moi, je suis un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Verset 9 là. Non, mais nous lisons ça ensemble. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple?
se perd si mon bouche. Et ça nous va demander, qu'on y a nous va demander, mon Dieu. Nous va le dire, mon Dieu, pour accorder nous, et pas seulement moi-même, sagesse. Ok? Deuxième, ça nous va demander la petite pour l'accorder nous, intelligence. Nous va demander pour lui révéler et pour nous discernement pour que nous capables de suivre pour route, bon Dieu. Mais ça va demander pour nous faire. Ok? Ça va demander pour nous faire. Nous allons prier avec moi. Konya, c'est ça va demander et ça m'a demandé tout pour nous capables de demander, bon Dieu. Est-ce que nous là avec moi? On prie ensemble. Seigneur, bon Dieu. Merci parce que c'est route, bon Dieu. Pas de l'autre. Vous dites la parole où Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous bénissons pour ça. Mais nous devons en face travail. Que seul Saint-Esprit est capable de faire pour glorifier nom seulement. Et c'est pour ça que nous avons demandé au Konya. Ou dit dans la parole, ou bien nous sagesse, ou bien nous intelligence par la grâce. Mais ou dit dans la parole, ou tout c'est pour nous demander ou ça parce que nous avons sans mesure. Et c'est ça que nous voulons demander aujourd'hui. Sans mesure. Pour bien nous sagesse, intelligence et discernement. Pour révéler à cœur nous. Pour nous garder exactement qui route pour nous prendre. Pour nous entendre toute voix qui a parlé, pour nous entendre ces voix seulement, et puis sans garder derrière, pour nous obéir à parole. Que gloire au Papa éclate. Au nom de Jésus, amen. Amen. Wow. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Je vais faire prier encore, Konya. Je vais lire avec moi dans 1 Jean chapitre 1er. Nous parlons d'un verset foyer de communion. Et ça, nous allons garder parce que c'est un verset. Peut-être que si nous avons chance de rencontrer encore, je vais demander de vous mémoriser. Est-ce que vous comprenez ça, M. Dioula? Et bien, ça fait demander de vous garder rapidement. 1 Jean chapitre 1er, nous allons dire deux versets seulement là-dedans pour que nous comprenions qui ça, bon Dieu, dit. 1 Jean 1er, verset 3. Verset 3, est-ce que vous l'avez? On a dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, n'est-ce pas? À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, quoi? Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà, ça. Mais ça te dit, mais tout ça demandé. Maman de plus, maman de plus, que ou même personnellement, Koto Chitala, ou en communion avec mon Dieu. Est-ce que vous entendez? Ou pas en rébellion contre mon Dieu. C'est la bagaille qui est plus difficile pour en rébellion contre mon Dieu. Vous entendez? Et mais pour hier, nous connaissons, c'est que nous pas un droit en rébellion contre bon Dieu. C'est pour nous en communion avec lui. Et si nous en communion avec bon Dieu, parole bon Dieu dit pas rien nous mandé, dit pas bail. Ah, est-ce que vous comprenez ça me dire? Pas rien nous mandé, dit pas bail nous parce que nous connexion c'est avec qui est lié? Avec Dieu le Père et son fils Jésus-Christ. Et m'a dit ça. Ouais. Mais tout ça va demander. Garder communion ça. Ça veut dire le lever matin, bibou. L'on est venu parler avec mon Dieu. Côté où il est, parler avec mon Dieu. Quoi saisir, ouais, pas rien qui est impossible. Nous allons lire encore verset 7 là, s'il vous plaît. Verset 7 là. Continuez pas sans appel. Ok? Merci, nous okay? Marchons. Merci, nous marchons. Amen. Amen. Et le sang de Jésus-Christ, quoi, nous purifie de tout péché. Et. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, quoi? Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, quoi? Nous purifie de tout péché. Alléluia! Nous allons prier, mon Dieu, pour ça. Nous allons demander, mon Dieu, pour que connexion nous avec lui, c'est un bagage que nous jaloux de lui, que nous pas d'accord pour nous séparer nous de lui. Ok? Et puis ça, nous allons demander, mon Dieu, pour que lui, même bon Dieu, ça qui est présent dans nous, lui remet tout le monde autour de nous, quel que soit le monde lié, nous remet. Nous connaissons pas que ça nous remet, Mounza, parce que parole, bon Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. Si mon Dieu remet le monde, moi-même, qui ça me fait? Ma première. Mais là, remet le monde, qui ça fait? Il fait sacrifice, il bâille Jésus. Donc, si on remet le monde, comprenez ça, Mounza, ou là, oui? Ça veut dire que c'est vraiment remet pour que le monde, ça, ou capable d'attirer le plus de cœur possible à Jésus. Si c'est ça, vous demandez, bon Dieu, la parole. Nous présentons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous demander, bon Dieu, pour le bail nous des bagailles que nous sommes capables de compter à toi. Nous, non. Nous venons demander, bon Dieu, pour le bail nous, bon Dieu lui-même. Et bien sûr que si nous avons chance là, pendant la sortie là, on dit chance, nous sortir avec tellement bon Dieu. M'a dit, nous, c'est comme si nous allions avec bon Dieu tout. Et si nous allions avec bon Dieu, pas de rien qui est impossible. Est-ce que nous là? Amen. On prie ensemble devant bon Dieu. Dis Seigneur, bon Dieu. Merci pour grâce à aujourd'hui. Dans Jésus-Christ,
Nous sommes petits tout et nous bénissons pour ça parce que vous adoptez nous. Prière nous aujourd'hui, c'est pour que désormais, connexion avec vous, c'est un bagage que nous jaloux de lui. Ça veut dire que ce qui est plus important pour nous, c'est vous-même dans la vie. Nous. Ce qui est plus important pour nous, c'est vous-même. Et si vous présent, nous connaissons pas rien qui est impossible. Si vous avec nous, pas rien qui est capable contre nous, nous bénissons pour ça. Et prière nous, c'est pour que présence dans la vie, nous qui remplit, nous qui manifeste. Il est capable communiquer grâce à chaque monde et monde qui tend des paroles, monde qui est avec nous capable de rencontrer Jésus parce que nous vivons dans nous. Oh, mais grâce que nous demandons aujourd'hui et faveur ça nous demande au lit. Dans le nom Jésus. On dit amen à ça. Amen. Je demande pour lire un dernier passage. Ce n'est pas le passage de ça seulement, non. Bien plus l'autre, oui. Oh, pour nous-mêmes qui souffrons de communion, pour nous-mêmes qui suivons les sur réseaux, sur YouTube, nous avons que c'est essentiellement ça que lié. On va lire avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 4. C'est le dernier passage que nous avons lu avant que moi invité et David de retourner pour chanter le temps que moi capable de retourner encore. Parce que c'est essentiellement ça que nous faisons. Okay? Voilà. Actes des Apôtres chapitre 4. Nous allons lire parole, bon Dieu, à partir de verset 23, mais pour moi, économiser temps. Nous allons faire une prière, je dis. Nous allons faire une prière biblique. Est-ce qu'on a des samedis là? Est-ce qu'on a des samedis là? Nous allons faire une prière biblique. Actes des Apôtres chapitre 4. Nabgalil à partir du verset 24. Nous avons commencé, côté de commencer avec Seigneur. Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? Là, c'est. Qui est le contexte là? C'est. Chrétien, yo. Elle a fait commencer et puis gain des filles de toutes sortes et puis mes prières là et c'est les mêmes vidéos fait Konya. On pas même dit oublier c'est sans commentaire après nous finir les prières ça n'a dit bon Dieu mettra nous adresser à lui seulement dans mon Jésus. Nous là avec moi on lit ensemble. On va remettre des voix. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur. Question. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués. Contre qui? Le Seigneur et contre son oint. 27. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec la nation et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29, très important, nous parlons du verset ça et nous t'invitons à camper, Konya là, s'il vous plaît. Verset 29. Nous t'invitons à camper avec Bibou Naméou, nous parlons lire ça rapidement. Verset 29. On a commencé à partir du verset 29 là. On dit ça ensemble. Et maintenant, Seigneur, voilà les menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Mais ça nous besoin de bon Dieu seulement en un plus. Mais regardez verset 30 là tout. En étendant ta main, quoi? Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Regardez ça, mais pourquoi c'est passé? En tout bien. Voilà. Pas de jouet. Même du tout. Parce que c'est Saint-Esprit qui présente, pas qu'il soit la donne du tout. Regardez verset 31, on va jouer et faire tout de suite. Et quand ils ont prié, quoi? Le lieu où ils étaient. Quoi? Ils furent tous. Et ils annonçaient quoi? La parole de Dieu. Amen, amen. Disons amen à cela. Et prions maintenant, disons Seigneur Jésus. Mais nous devons cogner tout ça nous demander, oh papa. Nous avons besoin de l'autre bruit, mais tout ça nous devons entendre. C'est pour que parole nous résonne et proclame avec assurance que cœur capable touché par l'évangile, que conquête ça a commencé pour nous reconquérir le pays, nous qui vendus. Seigneur, nous besoin pays ça pour glorifier Jésus. Et c'est ça que fait nous la matin. Hein. Nous voulons demander au papa pour que parole nous proclame. Avec assurance, oui, avec hardiesse, pour nous camper, pour nous dire Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est là le sujet de notre méditation.
C'est pour nous camper, pour nous dire en dehors de Jésus, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. C'est pour nous camper, pour nous dire Jésus seul, la grâce seule. Et papa, nous prenons les paroles, ça proclamer. Oh, bon Dieu miracle là, bon Dieu tout-puissant a manifesté la glorifié Jésus parce que nous connaissons ou honorer Jésus. Que présence de matin, c'est pour nous honorer Jésus. Et cette prière, ça nous adresse au matin, au nom et par les mérites de Jésus, à qui reviennent gloire, puissance, autorité, force et louange, dès avant tous les temps, maintenant et jusque dans l'éternité. Amen. Disons amen, ami. Amen. Nous capables chita et merci beaucoup. Béni. Vous pouvez entendre une musique qui dit You are Alpha et Omega. Vous worship you all. Vous avez fait tout le pays. Vous êtes qui m'a fait là. We worship you all.
David, c'est David Pierre lui. Il est pasteur. Il est aussi musicien. À M. Gendon Gendbagayen. Et en plus de ça, madame, monsieur, c'est artiste. Tous les deux pasteurs. Je ne connais pas comment mon Dieu a fait ça, mais on dirait que le mari nous tout de suite. Je dis bon, Dieu, merci pour ça, ok? Bon courage, frère. Merci. Merci encore. Yes, merci. Voilà la conquête au nom de Jésus. Ami, non pas c'est Lugenson Morancy Augustin, c'est vous pas de connaître. Vous faites dans une famille protestante, dans une zone au Cap, vous faites l'imbé, mais une zone côté de la c'est Camp Louise. La caille, moi, c'est une seule répétition gagne. Les chants bibliques et aussi la récitation de la Bible, comme à l'école. Et c'est pour ça que nous connaissons un pile somme par cœur. C'est ça maman qu'on fait. Et grand-mère, c'est ça qu'elle t'a aidé le faire tout. Et par contre, pour qui ça grand-mère, t'es une attention particulière pour moi. Parce qu'à chaque fois, les Lugenson, Vincita. Et un peu le chant que je connais, c'est l'homme qui est adulte, moi qu'on ne voit pas au lieu. Parce que j'aime te apprendre, t'es une parole que je ne pas comprendre. Ça fait, la taille, moi, tout le temps, quand c'est côté mérité, moi, je connais comme gros moraliste. Moi, l'école, bah, ça fait tout le monde battre ta sous moi. Parce que yo, well, you can't son, yo, dit, quête, garde avec, monsieur. Yo, va pas prendre l'idée. Seulement, chaque fois, yo, besoin verset biblique, bon discussion, yo, connaît, le can't son, yo, vous parle, vous le prononcez dans ça. Mais autrement, j'ai tous les noms que je ne peux pas citer là maintenant. Bien, ça me rappelait, mais bien, ça que moi, pas rappeler tout. Ça fait que, moi, je viens tellement timide, moi, je viens peur, au point que, des fois, pour me paraître, moi, ben, ils ont menti pour me passer. Et puis, ben, des fois, monsieur connaît toute forme de blague. Toute blague qui pas blague. Les abbayos, moi-même, je ne sais pas si ça vous me dit dans la blague. Parce que, malheureusement, je ne sais pas si une blague ça. Yo. Bref. Et comme ça, je suis dans l'élémentaire 2. Pendant que le professeur classe là, c'est lui-même qui vient pasteur d'église côté, moi, hier. Ben, ça a vu notre gens créer une sorte d'attirance. Il aime venir avec moi un. Un bon échange qui est dans la place là qui a un problème. Tout petit monde est rassemblé. Il y aurait l'éducation pour venir prononcer vérité sur question. Qui ça? Un monde qui fait dans la famille protestante qui n'a jamais accepté Jésus comme sauveur personnel, qui n'a jamais dit oui à Jésus, il n'a pas dit pour Dieu. Et puis, ça qui est difficile là, il y a aussi des versets à même, Jean 1, verset 12. Là, ça a tellement choqué pour me dire, mais attendez bien. Moi-même qui l'a, comme si je n'ai pas pitié de mon Dieu, je ne comprends pas ça du tout. Je dis non, 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 non. Expliquez-moi bien. Parce que moi, je sais que je suis un enfant de la promesse. C'est ce que j'ai appris tout. Depuis mon petit monde. Je dis non, 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 non. Et mes versets la Bible, bah, ça te fait moi, et je ne vais pas sur moi tout parce que je ne comprends pas. Ça fait moi veiller le week-end, l'arrivée dimanche matin, je vais attendre un appel, je vais passer devant pour mal connaître. Raison question ça que moi pas qu'à répondre parce que pas un concours biblique que c'est pas moi-même qui premier là dans la zone là. Comment faire une question comme ça que moi pas qu'à répondre? Et voilà les rivé. Malheureusement, mon qui lui orienté mieux, il va parler de Jésus parce qu'il dit petit garçon songe, l'évangile pas facile non. Parce que moi pas comprendre que moi-même tout me venir pour me venir accepter Jésus, on connaît même mon qui tout fait comme ça déjà. Voilà comment moi repartir à vide, j'en me deviner. Bien que moi grandi, moi vin dans le secondaire, ça fait l'aime au Cap Konya là, moi visiter toute l'église. Côté mien, ma proximité, je visite Redford Kay, pasteur David, moi visiter l'église Samari dans la zone de Carrefour, comment les Carrefour ça encore, que ne pas songer. En pile l'autre l'église, moi visite l'église pasteur Vol, comment il s'appelle encore, je ne me rappelle pas. Et puis, mais c'est pour ça que j'ai tant de messages, je comprends que maintenant, c'est pas pour ça qu'on accepte Jésus. On n'a pas fait venir pour tout dire comme ça et l'évangile n'est pas facile, il faut expliquer l'évangile. C'est alors que j'ai appris ce verset là pour dire si tu confesses de ta bouche, c'est un verset que j'ai appris longtemps,
le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que tu es la ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est alors que je m'apprends que c'est confesser pour me confesser. Je m'a demandé sa confession, je dis non, c'est prier pour prier, parler à bon Dieu. Voilà comment j'allais accepter de confesser, de prier pour dire à Jésus de venir dans mon cœur parce que je suis un pécheur. Et voilà comment je vais dire waouh, mais c'est comme ça qu'on nous sauve. Et bien voilà comment je vais le comprendre, c'est ça qui salue. Et désormais, bon zèle qui vient pousser dans moi qui fait que les mots retournés aussitôt en 1997, moi baptisé dans l'église là, ça fait que pas de responsabilité dans l'église là que moi pâté, qu'on prend avec responsabilité. Au point que les maps terminent les classes, tout le monde connaît c'est ma dans toute direction que maintenant c'est séminaire. Et je le savais, c'était la prière de ma grand-mère et Dieu me l'a montré clairement. Et m'a tout bien. Ouais, pays ça. Il faut qu'on crée dans bon Dieu pour survivre spirituellement. Et voilà comment en 2001, j'ai terminé mes études classiques. La seule route que Dieu avait ouverte devant moi, c'était le séminaire. Et voilà que je suis rentré l'imbé à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti pour me ressortir 4 ans plus tard. Ami m'a dit ou bien. Je ne regrette dans la vie un jour que je suis Jésus. Un jour. Je ne regrette dans la vie moins que. Moi, j'ai étudié parole, bon Dieu. Depuis lors, m'a enseigné parole, bon Dieu. Ça fait près de. Si tu prends de 1998 à aujourd'hui, ça fait 24 ans que m'a fait ça, ouais, m'a fait là. Un à un, avec deux mouns, avec trois mouns, avec 10 mouns, et n'importe qui. Genre. Des fois, moi, tremblé pour me parler avec mouns que m'a peut-être supposé parler. Mais bon Dieu, ben, moi, force et autorité, moi, expliquer mouns dans l'évangile. Et bien souvent, mouns n'a vini. À la repentance, moi dis bon Dieu, merci pour ça. Moi, je suis prêtre depuis 2006. Ça fait que moi servir bon Dieu partout côté bon Dieu. Et voilà que je dis à l'irée orienté au point là, dans le foyer de communion. Parlons de qui s'allie. C'est un service chrétien. Et comme service chrétien, il est là pour étudier parole, bon Dieu. Comme service chrétien, il est là pour bailler orientation spirituelle. Comme service chrétien, il est là pour bailler pour entretenir communion entre les frères au nom de Jésus. Donc, si vous voulez relever l'église, c'est appellation par là. Même les trucs que, bon Dieu, besoin d'une activité comme ça. Ou imaginez, je prépare pour ça va faire. Moi, je dis merci pour ça. Et moi, je dis, nous, côté de camper là, moi, je camper sur le rock solide là. Moi, je souhaite que c'est sur ça pour camper tout. Et moi, je dis, mais quelle révélation que moi, j'ai pour moi, pour moi, que bon Dieu, maman. Et ce sujet, message là, je vous dis, nous parlons conquérir le pays, nous, au nom de Jésus. Moi, je dis, notre pays est vendu. C'est comme si on est dans le pays, mais le pays n'est pas à nous. Mais la grande question, est-ce que mon Dieu va nous le grand héritage? S'il fait nous vivre là, nous fait là, nous grandir là, ça veut dire pour qui est-ce qu'il est? C'est pour nous lier, et mais c'est pour nous lier, nous allons apprendre à conquérir le pays. Nous. Et de maintenant, la conquête au nom de Jésus. Et c'est à ça que moi invite au Konya. Mon Bibo, tout de suite. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, nous parlons de conquête là, qui ça bon Dieu voulait faire. Nous parlons engager nous aujourd'hui dans la conquête ça au nom de Jésus. Nous comprenons pourquoi ça n'a pas engagé nous? Parce que Dieu est de notre côté. Nous allons répéter ça. Dieu est de notre côté. Et c'est ça que nous allons faire conquête ça au nom de Jésus. Regardez bien. Josué chapitre 5, verset 13. Josué 5. Verset 13. On va dire ça. Pendant que je regarde le passage, je regarde nous-mêmes qui chita là. Je regarde moi-même qui devant là, c'est un passage ça que je pense, je réfléchis à ça. Mais qui ça, bon Dieu, vient fait. On dirait que le Seigneur est arrivé maintenant. Et voilà ce qu'il va dire. Côté nous ensemble, nous allons pour moi. Josué 5, verset 13, jusqu'au verset 15. On allait. Comme Josué était près de Jéricho, quoi? Il leva les yeux, il regarda. Quoi? Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit quoi? Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué quoi? Tomba le visage qui s'en fait plus? Et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué quoi? Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu lequel tu te tiens est saint et je te vis ainsi. Zami, attendez, je ne vais pas demander pour retirer souliers dans le pied. Et je ne vais pas demander pour coucher plat à terre.
Mais qui ça me veut dire? Quand Dieu veut bâtir, quand Dieu veut conquérir un pays en faveur de son peuple, attendez bien, il prend siège au milieu et à la tête de son peuple. Mais ça, bon Dieu fait. Josué va rassembler toute troupe, il va le combattre, il va le conquérir Canaan. Il aime dire, Josué, on va comprendre que mec, ça fait partie de 12 espions qui ont visité Canaan. 10 personnes disent pas capable. Et Josué campé lui avec Caleb seulement, il dit, regardez, c'est pas bon Dieu d'ailleurs. Nous allons prendre tout de suite. C'est Josué. Et là, il dit oui. C'est ça exactement que le poil fait. Mais pendant la préparer, il dit qu'il y a une force là, c'est garder le garder l'autre présence qui arrivait. Nous ne savons pas qui est-ce qui arrive là vraiment. Nous ne savons pas tout qui est-ce qui est. Présence arrivée et puis Josué garder, c'est garder le garder. Plan bataille a fini fait et puis il garder un monde qui paraît en face. Il ne va pas contourner le monde. Josué est intelligent, obligé de voir des gens qui est souillé. Qui est souillé? Est-ce qu'on c'est l'ennemi? Ou bien est-ce qu'on c'est le monde qui vient combattre pour nous? Et puis, l'ange de l'éternel répond, attendez. Je ne parle pas d'ennemi, je ne parle pas d'ennemi. Moi, c'est chef de l'armée éternelle là. Qui ça, Josué fait? Il est tombé à genoux pour lui adorer. Vous qui est-ce qui est, amis? Répétez pour moi. Qui est-ce qui est? Répétez le plus fort. Jésus. À chaque fois, Dieu se manifeste dans la nature. On appelle ça théophanie. Autrement dit, Jésus-Christ est présent. Il est le Dieu homme. À chaque fois que mon Dieu est présent, côté où la travail, c'est Jésus qui est présent. Il est le Shiloh. Vous songez ça? Le Moïse rencontré dans le désert, à côté que Moïse, pas comme ça pour le faire. Et puis, Moïse, ôtez, il est encore le chef de l'armée de l'éternel. Est-ce que c'est lui qui l'a? Amen. Sous quoi c'est lui qui l'a, d'arrêter tout jour ça? Qui t'aime tout bien? L'âme qui s'en fait d'abord. Il identifie son leader pour prendre en charge la conquête. Autrement dit, moi, avant qu'il l'a dit, nous suffit pour bon Dieu conquérir le pays. Non. Si seulement cœur nous, véritablement pour bon Dieu. Si cœur nous, c'est pour bon Dieu. L'identifier leader qui prend en charge conquête là. Et m'a dit nous bien. Laisse arriver, tendez bien. La guerre, la bataille est la responsabilité du chef de l'armée de l'éternel. Ce n'est pas ma responsabilité. La guerre, la bataille est la responsabilité de qui? Du chef de l'armée de l'éternel. Maintenant, qui ça vient pour me faire moi-même? Où est-ce que là, qui ça dit pour faire? Ôte tes souliers de tes pieds, n'est-ce pas? Ôte tes souliers de tes pieds, ça veut dire qui ça? Soumets-toi. Soumets-toi. Eh bien, ami Matoussa, soumis à l'autorité de Jésus, nous engageons la conquête en son nom, mais au profit du peuple et des générations à venir. T'as des biens, amis, nous parlons tout ça. Et c'est ça que nous conquête Haïti, il pourra le faire. Comment on pourra le faire, amis? Qui t'aime tout? Bon Dieu conquérir le pays, pour qui ça le conquérir? Bon Dieu a besoin du pays? Il conquérir le pays, c'est pour le peuple là. On va attendre ça, nous là. Amen. Il conquérir le pays, c'est pour le pays, c'est pour le monde qui vit dans le pays. Autrement dit, Haïti, c'est pour qui? Dieu va reconquérir Haïti. Tendez ça m'a dit nous là bien. Tendez ça m'a dit nous là, il va le reconquérir. On va dire nous comment il va le reconquérir. On allait rapidement traverser dans Jean 3 avec moi. Jean 3. On va dire nous comment il va le reconquérir le pays. Et écoutez, il semble que je vais vous réserver ce message. Parce que l'heure dit moi que faut que nous réserver. Mais au nom de l'Éternel, on est là et par la puissance de Dieu. Regardez qui ça bon Dieu dit. Il rencontre qui est-ce? Jean 3, au verset 1er. Nicodème, en allant verset 3, qui ça Jésus-Christ répond-lui? Ça Jésus-Christ répond-lui. Parce que monsieur ça vini, comme s'il vini tout bon. Il dit Jésus-Christ, c'est où que mettre là? Je connais où? Ok? Je connais où? Pas besoin de manger, c'est où que mettre là? Et dans la même si mon Dieu va d'abord, on va faire ce qu'on fait là. C'est comme si Nicodème vini, dit Jésus, c'est moi-même qui est professeur. Parce que Nicodème est un docteur de la loi. Zamim, là, vous venez de Jésus. Vous venez d'entendre qui ça Jésus-Christ vous dit. Ou pas venez de Jésus. Est-ce que vous avez dit? Amen. Puis tout le monde est qui sont vous dit. Ok? Mais Nicodème n'a pas dit Jésus. Non. Et quand il vient la nuit, ça veut dire qu'il va venir face à face devant tout le monde. Et puis, verset 3. Jésus dit à Nicodème quoi? En vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Regardez bien, mais qui ça a besoin de dire? Les bons dieux vont le faire conquête là, mais qui ça le fait? L'a identifié tout soldat. Et comment l'a identifié? 1.
il les fait naître de nouveau. Ah oui, amis, Jean naturel là, Jean adamique là, bon Dieu, pas utilisé dans la bataille là. Mais qui ça veut dire où? Bon Dieu, besoin spirituel. Et pour spirituel, c'est par la naissance. Pas tout bien, l'on naît dans la famille, on naît physiquement. Mais bon Dieu, besoin faire naître spirituellement pour que vous venez un soldat dans l'armée là. Question que vous aujourd'hui, qui est-ce que vous? Est-ce que c'est un soldat dans l'armée éternelle là? Bon Dieu dit, regardez. Pour c'est un soldat, bon Dieu a identifié ou comment l'a identifié ou il fait naître de nouveau. Et comment il fait naître de nouveau? Jean 3, 16, conversation avec Nicodème qui continue jusqu'à Jean 3, 16. Tardieu, quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Afin que ne périsse point. Voilà. Mais qu'il est quoi? La vie éternelle. Il identifie ou. L'identifier, nous on dit ça, ça veut dire. 2 Corinthiens 5, 17. Les barons ont l'autre nature. Même si vous avez cheveux ou X, vous pas même monde dans son petit bon Dieu. Ou c'est yon l'autre monde tout neuf. Suspendu, ou c'est qui est, m'a connu. Rélez tête ou Jean bon Dieu, rélez ou. Est-ce qu'on l'a avec moi? Rélez tête ou Jean bon Dieu, rélez ou. Ephésiens 2, verset 5 et 6. Il dit bon Dieu, ressuscitez-nous déjà. Nous pas même monde là encore. Et il dit que privilège qui va nous. Il fait nous chita à droite, papa, dans Jésus-Christ. Nous pas même monde là encore. Regardez, et là, là fait nous comme soldats dans la mais là, mais qui ça le fait? Acte 1er verset 8. Mais vous recevrez quoi? Une de cet esprit. Et vous serez quoi? Autrement dit, pour être témoin de Jésus-Christ, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut avoir cette puissance. Puissance, ça, c'est cet esprit qui va aider. Et m'a dit nous en plus, les mettez-vous en équipe. Les mettez-vous en équipe. Ça veut dire, pour une équipe, pas tout bien. Il n'y a pas besoin en pile, non? Vous savez qui s'agit de on t'a pas le fait pour guerre là? Vous avez dit Gédéon, suspend, regardez papa. Qui t'aime compter pour vous? Qui t'aime compter pour vous? Gédéon dit, compte là, mais qui t'aime compter pour vous? Ou même là, on compte, ouais, un, bon Dieu, ouais, 10 000. Vous comprenez pourquoi ça, bon Dieu, ouais, 10 000? Le Théonome 30. Bon Dieu dit, yon seul à combattre 1000 et deux à combattre 10 000. Et yon seule condition pour ça fait, bon Dieu, par la guerre là. Et c'est bon Dieu conquérir lui pour vous, pour gloire dans lui et pour le baron côté pour habiter. Vous n'avez pas compris ça va dire là. C'est ça exactement que mon Dieu fait. Après ça, il va puissance et il prépare nous tout. C'est ça que mon Dieu fait. Ma compris comme ça pour dire. Question. Qui est celui qui appelle? Qui est celui qui appelle? Est-ce qu'on est Mounza qui reléa? Qui reléa ou suivre Léa? C'est mon Dieu. Nous posons l'autre question. Qui est celui? Est-ce qu'on est de nouveau? Nous posons l'autre question. Est-ce qu'on est pour qui ça là? Ou là pour conquête là, bon posons l'autre question. Est-ce qu'on connaît qui ressource bon Dieu mettez à disposition de vous? Et mais conquête ça m'a dit ou bien? La fête au nom de Jésus. Et vous qui est-ce qu'a fait? Lorsque bon Dieu a conquéré le canard, qui est-ce qui chef l'armée l'éternel là? En allez. Qui est-ce qui chef l'armée l'éternel là? L'ange de l'éternel Jésus. Et bien m'a dit ou bien? Conquête ça m'a parlé de lui. Bon, qui est-ce qui va le faire? Saint-Esprit. Regardez le jour de la Pentecôte qui s'abonde de fait. Cet esprit fini, 3000 âmes à la repentance. Et regardez, conquête là, commencé. Désormais, cette conquête a déjà conquis le monde pléonasmement. Même si vous dites, au nom de Jésus, le monde connaît Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a? Maintenant, mets l'autre question pour vous aujourd'hui. Nous pouvons chanter quand nos aïeux brisèrent leurs entraves. Chant ça, c'est exprès, il a. C'est pour me dire comme citoyen, comme chrétien, ou quelle responsabilité dans le pays. Ou pas capable d'apprendre chaque jour, faire même porte barrière. Ou seulement, et pour dire peu importe ce qui se passe dehors, ou à l'abri. Ou pas à l'abri. Parce que ou pas à l'abri, ou pour besoin de camper sous des pieds ou pour chercher qu'on ait qui responsabilité que vous gagnez dans le pays. Ou prendre responsabilité ça parce que tenez bien. Nous avons fait 300 ans dans l'esclavage. Nous trouvons que c'était grave et extrême. Tout le temps ça dans l'esclavage. Nous avons mis tout. Nous faisons trop de temps pour la vie retourner là. Nous faisons trop de temps pour la vie retourner là. Bon Dieu a besoin de reprendre le pays ça. Mais pour reprendre le pays ça, m'a tout bien. Waouh! Il a seulement besoin que t'aimes pour lui. Et si t'aimes pour bon Dieu, la fait conquête là à travers vous. Mais question pour vous encore, amis.
Est-ce qu'on est d'accord pour que le foyer de communion continue à réunir là, dimanche matin, 9h, 11h, pour nous rencontrer régulièrement pour que nous voyons que mission pour Dieu a nous, pour payer nous. Amen. 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 Vous mettez répondre, c'est pour ça que vous posez question. Amen. 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 Si vous pas d'accord, tout vous va demander, vous venez nous dire ça. Deuxième question, nous allons nous poser. Pour nous là, vous avez question pour vous. Regardez bien quelle hospitalité que vous avez là, qu'on vous réservé. Et c'est lui-même qui dit nous prie, on dit, regardez, vous cachez là pour poser, pour prier, pour étudier parole, bon Dieu. Bénédiction, ça m'a dit bien. Vous comprenez ça, bon Dieu te dit, Jésus-Christ te dit, femme canadienne, non? Foi, ça m'a pas venu même en Israël. Vous comprenez ça, ça veut dire? Est-ce que vous avez dit, je ne vais pas interpréter le bout. Donc, est-ce qu'on prête pour contribuer régulièrement tout pour que l'activité ça qui fait la capable de continuer à faire? Amen. Amen. Ou est-ce que c'est deux bagailles? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on prête pour contribuer? Eh bien, mes réseaux que nous là. Si vous êtes d'accord, nous allons mettre que nous parlons de gros équipe. Nous allons avec madame. Devant bon Dieu. Et nous avons plusieurs autres monde qui là. C'est eux-mêmes qui accompagnent nous pour nous capables de rester devant mon Dieu, pour nous étudier parole, mon Dieu, pour nous venir là, je vous dis. Maintenant, vous me dites qui est ce qui est. Mais pour l'instant, je vous question pour vous. Si vous avez des choses pour dire, mes micros, vous mettez le cognac. Si vous avez des questions, vous me posez le cognac parce que vous êtes prêts pour que moi réponde. Et vous faites poser des questions, si vous posez le. Je vais inviter David venir. L'autre minute, il vient tout. David chanter avec David, avec nous tous ensemble. Quand nous allons briser leurs entraves. Monsieur, vous connaissez ce genre? Ah ouais, monsieur, je vais vous entendre ça et vous allez voir. C'est pas difficile. Quand nous allons briser leurs entraves, ce n'était pas pour se croiser les bras. C'est pour travailler en maître. Les esclaves ont embrassé quoi? Corps à corps, le trépas. L'indépendance, ça n'a glorifié à mes amis, on a éphémère lié. Si nous n'avons pas de droit, pas d'égalité, si nous n'avons pas de bon Dieu. Et c'est pour ça, tu m'entends bien dire Dieu d'abord, et quoi d'autre? Dieu, et puis, mes amis, quand tu es historien, quand tu es monde qui est histoire, Dieu, encore, le travail et enfin, la liberté. Mais oui, nous ne pouvons pas chanter, nous devons chanter. C'est ça que moi invité nous connaître, nous pas chanter. Mais regardez-nous, maintenant nous posons une question. Oui. Nous prenons sa parole, bon Dieu dit, 1 Pierre 3, verset 15. Soyez prêts à répondre devant quiconque vous demande raison de votre espérance en Christ. Autrement dit, sous vos questions, posez-moi. Sous pas de posez-moi en public, mais posez-moi en privé, je vais toujours répondre. Parce que moi, tempé là, au nom de Jésus. Amen. Monsieur Vinino, on chante ça. Quand nous avons brisé leurs entraves avant que nous passions dans l'autre partie qui gagne pour jeudi, le à cheval, on ne va pas prêter plus. Ah, quand nous avons brisé leurs entraves, je me rappelle quand j'étais petit, je chantais ce chant-là en marquant des pas. C'est son bagage merveilleux. Ok? Venez, les filles vont chanter avec l'équipe. Quand nous avons brisé leurs entraves, ce n'était pas pour ce. Croiser les bras. Non. Une seule strophe. C'est ça. Une seule strophe. Ok. Pour nos aïeux brisèrent leurs entraves, ce n'était pas pour se croiser les bras, pour prier en mettre les esclaves, ont embrassé corps à corps le trépas. Leur sang à flot engraissa nos collines, à notre tour, jeunes et noirs allons, posons le sol, les guépas des salines, notre fortune est là dans nos vaillons. L'indépendance est éphémère, œuvre à l'égalité, pour fouler heureux cette terre, il nous faut la devise. Amen, amen, amen. Amen. Amen.
merci, Godemine. Vraiment, c'est... Moi, je fais exprès, moi, mettre chant ça. C'est un seul raison, moi, c'est pour m'attirer l'attention qu'il a. Les enfants m'ont chanté, mais ce n'est pas pour les enfants. Hein. C'est pour vous, pour que nous songez et que nous ayons un courage côté pour nous retourner. Parce que bon Dieu pas fait mon chrétien pour dire mon suspens citoyen. Vous n'avez pas entendu samedi noir. Pour bon Dieu conquérir le Canaan pour le peuple d'Israël, là, il prend Josué. Et mais pourquoi Dieu prend Haïti à tous mes amis? Mes amis. Je dis à ce 4 septembre 2022. Il faut un petit moment de communion entre nous. Et c'est pour ça que je m'invite aussi, si vous êtes intéressé à TAPSA. Qu'on y a là, nous allons partager ben ça avec Vincent parce que nous croyons c'est ça bon Dieu m'a demandé pour nous capables faire. Est-ce qu'on l'a? Amen. Est-ce qu'on l'a? Amen. Vous d'accord avec moi? Amen. Et c'est ça que nous avons fait qu'on y a là. Merci Julka, merci Adeline qui a aidé nous. Merci David, vous m'êtes venu avec moi tout. Dovidier, Vini, Doc, venez avec moi tout. S'il vous plaît, nous allons partager ça parce que. Ah! Ou bien on chante. Oh, il y a une voiture qui est mal garée. Elle est de couleur rouge, s'il vous plaît. Rangez-le bien pour nous. Hospitalité, ça, nous allons bien gérer. Elle est de couleur rouge, des candidats, côté lié, elle est obstruée, s'il vous plaît. Est-ce que mon affaire nécessaire là pour moi? Merci, merci en pile. Ça t'a pas lavé, péché, quoi? On est passé sans Jésus. Ça t'a pas guéri tout cœur. On est passé sans Jésus. Sans lui, je passe l'enfant. Prêté dans la mort. Mais ça me donne à dire aux amis, c'est un symbole. Symbole ça, c'est un symbole sacré. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on communion avec Dieu le Père. Et vous pas d'accord pour que communion ça a dérangé. Et c'est ça que la parole de Dieu dit, pas quitter un lien privé ou de ça. Parce que écoutez, qu'est-ce que tu as contre Dieu? Question, qu'est-ce que tu as contre Dieu? Et qu'est-ce que Dieu a contre toi? Participer avec nous, amis. Parce que c'est ça, mon Dieu, mon Dieu, pour nous. Faire ces paroles, mon Dieu, dit ça, oui. Et dis-le, nous rencontrer ensemble, ça, c'est un symbole fort. Et a besoin d'occuper nous de ça, que ce qui est essentiel. Et moi, content. Et moi, content, puisque mon Dieu a une possibilité pour que nous puissions partager ça ensemble. Je dis à ces 100 grandes formalités, n'a fait ça ensemble. Voilà. C'est offert à tout un chacun. C'est offert à tout un chacun. Dès que vous le voulez bien. Ok? Merci. Il m'a dit merci parce que vous allez participer avec nous. Je dis à non, exercice ça. C'est un bagage merveilleux. Il ne va jamais négliger. Et vous prenez ma douleur en vérité. Alors, bon Dieu m'a demandé pour nous faire ça chaque 4 septembre. Non, il m'a demandé pour nous faire ça à chaque fois que nous rencontrer. Vous avez des vérités à qui ça lié? C'est pour nous faire ça à chaque fois que nous rencontrer. C'est sa parole, bon Dieu dit. Et dans le contexte, ça, si c'est à chaque fois que nous rencontrer, c'est à chaque fois que nous rencontrer. Il y a des gens qui posent des problèmes logistiques. Oui, problèmes logistiques. Mais je suis sûr que si nous voulons faire là à chaque fois, nous sommes capables de faire. Ça fait que moi, invité vous.
à participer avec moi dans cérémonie ça. Voilà. Mais sa parole, bon Dieu dit, Jésus-Christ, dans le dernier souper, qui s'est fait dans le dernier rencontre avec les disciples, la parole, bon Dieu dit, il prend pain, il partage. Il dit, mais mes symboles, ça, ok? Pour nous rappeler que moi-même, je mourir pour nous. Pour nous rappeler nous que ma brute est venue chercher nous. Est-ce que nous là? Et ces symboles, ça, on prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne de partager le pain et le vin. Pour nous rappeler que ça vous fait pour nous à la croix. Effectivement, vous pardonnez nous. Effectivement, vous va nous la vie éternelle. Effectivement, vous va nous rendez-vous dans l'éternité. Nous vous remercions pour ça et nous bénissons pour ça. Et si nous remercions au nom de Jésus. Et quoi, les amis, si tant pour moi-même, ou quoi ça, bon Dieu pardonne tout péché, il va la vie éternelle, il dit rendez-vous avec vous dans l'éternité, ou attendez, moi invite à manger le pain ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardon de dire, après avoir mangé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Amis, vivons-en tous en mémoire de lui. Ta grâce seule, Seigneur, pouvait nous donner de participer à ta table. Notre participation à cette table témoigne de notre engagement envers toi. Père, continue de nous conduire et permet que nous puissions marcher sur tes pas. Au nom de Jésus, amen. Merci, ami. Ok, nous sommes capables de récupérer le verre. Amen. Gagne yon sous tout plein accent de Jésus-Christ, péché yon qui baigne là-dedans, sorti sans tache et chanter avec nous. Numéro 5 dans la feuille là. Seigneur, parlez de l'amour sur la terre. L'amour a porté au sang parler. Rien à mon sable à grâce à ses sœurs. Jésus, c'est cette grâce qui va jamais s'agir. Jésus
Jésus, c'est cette source qui va bien me sécher. Jésus, c'est cette source qui va bien me sécher. L'autre fois encore, Seigneur, par exemple, ta course sur terre. Verset 22. Mais sa parole, mon Dieu dit. Mon Dieu dit Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, attendez, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il signe, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Vous n'avez pas compris. Qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Nous là avec moi.
Je dis, moi j'ai un petit monde extraordinaire. C'est merveilleux, ami. Son nom c'est Temi Alivia Tade. Je crois que maman avec papa, yo la matin pour présentation ça au temple. Je vais inviter pour me dire que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et dès que le foyer de communion tonna, eh bien, il est déjà appelé Temi. Si nous contendez dans la prière, Bible en main, ou bien dans la communion au quotidien, nous contendez que moi a prié pour Temi. Temi, où est Baudelaire? Il arrive? Ok, voilà. Eh bien, n'attend Baudelaire quand même parce que vous connaissez, nous ne sommes pas capables de faire sans lit. Baudelaire. Ok, c'est Temi. Olivia Cadet, et bien, a prié bon Dieu pour Temi. Et nous espérons que non seulement Temi a un témoignage pour parents et pour famille. Voilà, unis-vous avec moi pour nous capables de prier pour Temi. Temi, tu es là? Voilà, Père des cieux, je bénis ton nom aujourd'hui pour Temi. Certainement, tu continues de bénir Haïti en nous accordant ses enfants, ses bénédictions. Notre prière, c'est que la vie de Temi puisse être un témoignage pour ses parents. Notre prière, c'est que ton intervention miraculeuse en faveur de Temi, capable d'un témoignage pour parents, pour y aimer un davantage et pour y prendre mission conquête là, pour y même tout. Nous prions, papa, contre toute maladie qui t'a devenu pour attaquer Temi. Dans un moment côté pays, nous environnement crasé comme ça. Au nom de Jésus, moi déclare tout anathème. Moi bénis Temi. Même Jean ou fait dans parole. On dit c'est pour nous bénir Timon. Parce que vous dites béni. Et je dis, foyer de communion, bénis Temi. Et toute famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Hello Temi. Hey, ça va toi? Ça va toi? Tu dis bonjour? Bonjour. Oui, Manine Temi vous dit bonjour. Oui, merci Ami. Gloire à Dieu. Say
moi-même avec madame, moi, nous comptons avec chaque monde qui l'a matin. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Nous allons même dire que rendez-vous ça, c'est l'Éternel qui fait. Et parce que nous la matin, c'est dire que nous acceptons qu'ensemble, nous continuons de prier, bon Dieu, nous continuons de dire merci et de rencontrer pour communion ça. Depuis 3 mois, peut-être et plus, les en ligne. Étude biblique mercredi et jeudi soir, 6h, nous là. Tantôt avec un groupe qui a intégré, tantôt avec un groupe qui est en avancée. Samedi matin, la prière Bible en main, nous là, devant bon Dieu. Chaque matin, communion au quotidien, nous là. Chaque dimanche soir, nous là pour Hebdo 66. Vous parlez à vous, les étranges. C'est pas à vous, parler. On dirait que c'est ma vie là, c'est ma vie que vous connaissez. Est-ce que c'est ma vie que vous connaissez, ma vie là? Amen. Est-ce que vous connaissez de qui ça m'a parlé là? Amen. Ça veut dire, vous voulez dire que jeudi à séduction à jour qui fait côté que les bons pour rencontrer les gens pour les servir en ligne parce que faut qu'on ait face à face pour que nous soyons capables de parler. Et c'est ça qui est communion. Moi, je dis mon Dieu, merci pour ça. Et je dis ça, pas de meilleure place côté habillé sinon que dans la présence de bon Dieu. Et là, je dis dans la présence de bon Dieu, côté vous capable d'adorer, côté vous capable de tendre bon Dieu, et côté vous capable d'engager pour suivre bon Dieu et pour capable de servir. Nous devons planifier pour nous terminer à 11h. Si nous regardons mon temps, qui le dit? Andrew. 11h. C'est exactement ça qu'on a fait. On a fini à 11h. Zulka a seulement dit nous merci. Et on a invité M. Dovile qui a retourné. M. Dovile m'a dit nous, c'est Dovile Salomon, c'est un ami, un frère. Il vient de l'église Afka. Vraiment, c'est une connexion spéciale. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit, mon Dieu, il y a un ancrage. Nous bénissons, mon Dieu, pour ça. David, sorti au cap spécifiquement pour rencontrer ma terre. Amen. M'a dit ça. Il y a beaucoup de monde qui est là. Il y a autant de ces bons dieux qui sont présents à un côté et au présent tout de suite. Dis mon Dieu, merci pour ça. Je n'ai pas besoin de vous pour l'autre monde, ça, vous peut-être pas connaître, mais on le voit qu'on qui est sur lui. Parce que mon Dieu fait ça, hein. Nous va offrir, n'est-ce pas? Amen. Et nous va offrir. Amen. Amen. Ah oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle a été et sera pour un sujet d'allégresse et de joie. Ah oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Par mon organe, le foyer de communion remercie chacun de vous pour votre présence, pour votre prière, pour votre participation. Il y en a qui se sont sacrifiés pour la réussite de ce service ce matin. Je voudrais les remercier de façon particulière. Je ne veux pas citer de nom, mais ils se connaissent. Merci à chacun de vous. Merci à la propriétaire de cet espace. Ah oui, elle est si hospitalière. Et je bénis le nom du Seigneur pour elle. Merci à chacun de vous. Et je sais que le Seigneur prend bonne note de ce matin, de votre prière, de votre contribution, de votre apport, de votre présence. Il prend note et il saura répondre en son temps. Et juste après ce service, il y a une table bien garnie pour vous. Nous espérons que personne ici ne va laisser cet espace sans partager ce moment de communion avec nous. Nous sommes en communion et c'est le foyer de communion. Merci encore à chacun de vous. Ok, m'a fait ça rapidement. Mais Paul Vini, tant pis. Alors, M. Paul veut offrir une possibilité. Il dit que dans la machine, parle. Il n'a pas assuré que dimanche matin à 9h, là, pour montrer là. Si on a des difficultés, la camper, boy, gueule là, la tente nous pour venir avec vous là. M. Paul, ça, c'est comme un père. Il me dit merci pour ça. C'est pas ça, on a dit M. Paul. Alors, je vais saluer l'Assemblée et pour sa présence ce matin. Et je tiens à vous rappeler que selon, après tout ce que j'ai dit par notre révérend pasteur ce matin, j'ai pu constater qu'il a vraiment été choisi.
Il a expliqué comment il a été tout petit à l'école. Il avait choisi pour propager de l'évangile. Alors maintenant, s'il est là aujourd'hui, je vous demande de comprendre que le Seigneur est le plus grand stratège du monde. S'il est là, vous êtes là avec lui, je vous demande de ne pas laisser vous décourager, d'être toujours dans le cas possible, d'être toujours là pour rehausser les gloires de Jésus-Christ, parce que Dieu a fait son choix de lui, et j'espère sans doute qu'il a fait choix de vous pour marcher avec l'Église. Les foyers de communion. Alors, les foyers de communion. Alors, je demande à tous ceux, à toutes celles qui ont le moyen de déplacement pour aider l'avancement de ce travail. Moi, je me mets à la disposition de Jésus et à la disposition du pasteur de Jésus. Parce que moi qui vous parle, je suis membre de l'église baptiste et des sœurs de Jacques-Père. Nous sommes affiliés ici par l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Aujourd'hui, moi et ma femme, nous avons jugé nécessaire d'être là avec le pasteur pour l'encourager à faire ce travail. Et je vous demande également de faire. Alors, il y a le maquette, Miguel Maquette. Moi, je vais stationner au cas possible le dimanche et je vais donner mon numéro de téléphone à ceux et ceux qui n'ont pas le moyen de se placer pour qu'ils puissent m'appeler. Et le numéro, c'est 48 76 15 77. Parce qu'il faut l'encourager parce qu'il n'a pas été choisi par lui-même. Il est choisi par Dieu et vous devez encourager et travailler. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci en pile, Maître Paul. Vraiment, Maître Paul, c'est un père, ok? Je vous le dis, ok? Maintenant, venez, pour la fin. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, une génération, une génération. Avant que les montagnes fussent et que tu esprits la terre et le monde, l'éternité, en éternité, tu es Dieu. Le plaisir a été grand pour nous pour le fait que tu as. Et laisser ta grâce disponible pour nous. Malgré, cher Seigneur, cette immense distance qui nous sépare de toi en termes de puissance, mais tu as accepté que nous venions à toi et tu as accepté notre adoration, nos louanges. Merci Seigneur pour le fait que tu as permis à ce que nous étions ici, ici pour rehausser l'éclat et de ta magnificence. Nous voici arrivés au terme de ce service. Nous voulons, cher Seigneur, que tu nous gardes unis en ce que nous, toujours, nous soyons tes serviteurs, tes adorateurs. Ainsi, nous te prions. Au nom de ton fils Jésus, le qui vit et qui règne, le Christ et le siècle. Amen. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et encore, avec nos mots, nous disons merci. Merci à notre pasteur Wilkinson et sa femme, son équipe. Tous nos remerciements vont à notre Dieu, le Père, qui a accepté de nous utiliser pour sa gloire. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous dirige. Maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur soit Jésus, l'amour du Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint, restez demeurés dans nos cœurs dès ce matin et pendant tous les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.